Bonjour à tous, on se retrouve sur Watchdog Légion pour l'émission principale. Et donc, j'ai analysé sur le réseau groupe de drones. Kelly, Marie on Kelly est sur a enfin expédié les habitations pour sa grande donc, vente d'esclaves. Je vous laisse tech, ici voir le gameplay. Allez, c'est go. À vous de jouer. Pirater un de ces drones et identifier l'endroit où elle vend ces pauvres personnes micropucées. Qu'on mette un terme à tout ça. Ok, allez, go, on y va. On va aller voir cette enchère. Une traite. Hey, regardez, il parle de notre ami Malik sur GBB. Voyons voir ça. D'autres documents faisant partie du dossier Malik ont été publiés par DedSec. Officiellement, les Sœurs réfutent leur véracité, bien que des sources au sein de l'organisation affirment que Richard Malik a fui le pays suite à, je cite, « une brèche de sécurité humiliante et sans précédent ». Le reste du dossier étant en cours de vérification par un organisme indépendant, des experts de l'antiterrorisme se demandent aujourd'hui si les attentats qui ont lieu plus tôt cette année, ont aussi pu être faussement attribués à DedSec. Eh bien, c'était plutôt simple, même pour vous. Donnez-moi un instant pour décrypter les codes de sécurité. Alors, Bagley, quelles sont les nouvelles ? Marie Kelly organise sa vente au bain public de l'Acné. Ouvert en 1904, c'était, comme leur nom l'indique, un établissement de santé publique. De nos jours, en ces temps modernes et éclairés, c'est un marché aux esclaves. Elle a mentionné des investisseurs étrangers, donc c'est énorme. Ça veut dire des associés, des clients, des employés, n'importe qui lié de près ou de loin à son organisation. On va faire tomber Marie Kelly de l'intérieur. L'inspecteur Lowe veut transmettre son dossier sur Marie Kelly à un contact au ministère de la Justice. Il faut donc récolter le plus de données possible pour s'assurer qu'il contient de quoi l'incriminer. Les micropuces sont essentielles dans cette affaire, mais on n'a vraiment pas assez de renseignements dessus. Il nous faut des infos tangibles sur ces trucs. Vois ce que tu peux trouver de ton côté. Des plans, des reçus, des échantillons. Alors, la procédure est simple. Aller à la soirée des Kelly, découvrir un maximum d'éléments et, si possible, ne pas se faire tuer. Attention quand vous serez au bain. Marie... Tuer tous ces otages en appuyant sur un bouton. Si on essaye de les libérer dès maintenant, ils sont bons pour la morgue. Elle sait pas encore qu'on est sur sa piste. Ça nous donne un avantage. Se jette sur la voiture.
On fait quoi? Soyez prudent. Je vous suggère de pirater le hub CityOS du bâtiment et de voir ce qui nous attend à l'intérieur. Bonne idée. Je vais m'amuser maintenant. Je déteste voir ça. Il doit y avoir une autre entrée. Connecté. Récupérez un maximum de noms, d'adresses, de dates, tout ce que vous pourrez glaner, qu'on ait du concret pour le dossier. Regardons. Et il faut qu'on trouve un moyen de libérer ces gens. Je vais voir ce que je peux trouver. Il y a personne là. Et puis le champagne n'a pas encore été livré, de toute façon. Et tu sais à quel point ces sales bourgeois aiment picoler gratuit. Ils savent voir que ça, d'ailleurs. Ouais, le produit est prêt pour la vente. T'inquiète pas, non. Je te dis qu'elle sera pas là. Pas cette fois, en tout cas. Oh, et puis c'est tant mieux, d'ailleurs. Je sais bien que c'est la patronne, mais... Ouais, voilà, t'as tout compris. Et en plus, on sait jamais comment ça va se passer avec elle. Tu vois le genre, elle fait froid dans le dos, putain. Bon, à plus. Allez, regardez la caméra. Bien en face. Voilà, c'est bon. Levez-vous. Et tournez-vous. Doucement. Je...
Je veux pas faire ça. S'il vous plaît. Lève ton putain de cul. La flemme, putain. Quel bordel. On va jamais réussir à vendre toute cette merde. Les acheteurs veulent de la qualité de nos jours. Bon, allez, on va le mettre en bas. On met à jour le catalogue et on fout ses stats en ligne. Non, pardon, je ferai tout ce que vous voulez. M'emmenez pas là-bas! Tu fermes ta gueule! Merde! Putain de merde! Il faut qu'on se penche sur la question. Il y a de fortes chances que le sous-sol soit verrouillé, mais il est également très probable que l'une de ces andouilles ait laissé traîner le code d'accès quelque part. Sauf que je peux rien faire. Ah si. Merci pour la clé du sous-sol, Andouille. Parfait. Ah, là, là, la caméra. Des cocktails, des petits fours et un peu de trafic d'êtres humains. Je perds la boule ou c'est complètement abject cette histoire? Gardez votre calme. Si nous tentons quoi que ce soit avant de désactiver les micro-puces, Marie-Kelly risque bien de liquider son inventaire. La poule aux œufs d'or offre une gamme complète de produits récupérés antémortem auprès du meilleur panel. La voilà, la poule aux œufs d'or. Une plateforme en ligne pour les déchets de l'humanité. On peut y acheter des armes, des esclaves, des organes. Marie Kelly a bâti son empire sur la misère des gens. Vous devriez vous laver les mains après tout ça. Oh, voilà qui est intéressant. Mademoiselle Kelly, pourquoi notre livraison d'explosifs est en retard ? Vous avez reçu la crypto-monnaie. Chaque centime, Manchou. Je dois avouer que je pensais que vous étiez des trolls qui vivaient encore chez leur petite maman. Et maintenant, vous pensez quoi ? Je pense que vous avez de l'argent. Et que mon organisation pourrait être impliquée dans un truc vraiment pas net. Du coup, le prix vient de
doublé. Vous êtes fidèle à votre réputation, à ce que je vois. Mais sachez qu'on peut vous offrir mieux que de l'argent. Et quoi donc ? Le pouvoir. On peut faire de vous la reine de l'ombre. La reine, hein ? Une reine est souveraine. Et autonome. Et libre. Donnez-nous notre cargaison. Et vous régnerez sur l'ombre. Ma foi, on va dire que j'ai le nez pour les bonnes affaires. Les feux d'artifice arrivent. Faites bien attention à ne pas vous brûler. Oh, voilà enfin une preuve décisive. Mary Kelly a fourni les explosifs ayant servi aux attentats. Ajoutez à cela les esclaves et le trafic d'organes, c'est fini pour elle. Quelle tournure inattendue! Mary n'est pas Zero Day, mais elle est impliquée. Je dois admettre que les mesures de Zero Day pour effacer leurs traces sont ingénieuses et efficaces. Je ne m'en serais jamais douté, même s'il m'arrive de douter de beaucoup de choses. Il ne faut pas perdre de vue notre objectif. On doit tout savoir de la poule aux œufs d'or pour l'enquête de Kathleen. Bagley, t'as pu récupérer des données? C'est un simple site marchand. J'ai récupéré des listes d'inventaire, mais rien qui puisse servir à l'inspecteur Lowe. Bagley, il faut qu'on localise les serveurs du site web. Comme ça, on siphonne les infos pour Kathleen et on fait le nécessaire pour que le site soit HS avant la grande mise en ligne. J'adorerais, mais ces satanés serveurs se déplacent dans le monde entier. Ils doivent utiliser un protocole aléatoire de Mix Network. Il me faudra du temps pour déchiffrer tout ça, peut-être même plusieurs jours. On devrait voir l'hôte de la fête. Si c'est lui qui gère tout, il doit savoir où se trouvent les serveurs. Oui, j'ai bien reçu ma commande, mais c'est pas ce que j'ai demandé. Je regrette que notre produit ne vous ait pas donné satisfaction. Grâce à notre politique de retour, nous pouvons vous envoyer un autre produit sous quelques jours. Alors, rien à foutre de votre politique de retour. Ma commande était très précise. Je voulais du 10 ans. Celui-ci est plus vieux. Remboursez-moi. J'irai chez quelqu'un d'autre. Non mais c'est vrai, merde. Faites chier à la fin, connard. Madame, nous avons fait notre possible, mais nous avons subi une rupture de stock. Laissez-moi vous envoyer gratuitement un produit plus jeune. Peut-être vous conviendra-t-il. Non, non ! Je veux pas de l'adolescent, moi ! On m'a assuré que l'âge était scrupuleusement vérifié avant expédition. C'est de l'arnaque pure et dure ! Notre association de consommateurs en entendra parler ! Vous pouvez me croire ! Non, mais... C'est comme ça, tu crois pas ? Va bouffer tes morts!
bordel! Je vais vérifier. Merde, je suis touché! C'est juste une patine. Je suis blessé! J'ai des renforts avec moi. J'ai récupéré les coordonnées des serveurs Poule aux œufs d'or et en bonus, le relais de commande des micropuces. Les deux sont à Neogate. Merci, Bagley. DedSec, nous avons besoin de ces données. Une fois en notre possession, je les transmettrai au bureau du procureur général. Mary Kelly va payer pour tous ses crimes. On peut pas laisser ces serveurs intacts, ni le relais de contrôle des micropuces. En les neutralisant, on libérera les victimes des puces. Allons-y. Prochain arrêt, Neogate. Apparemment, Mary cache les serveurs de la poule aux œufs d'or au cœur d'une société de cybersécurité. Je n'approuve pas ses actions, mais j'admire sa méthode. Je vous ai trouvé une recrue potentielle. Je vous l'indique sur votre carte. Fini ce trafic d'êtres humains. Neogate se fait discret depuis quelques temps, mais ils sont à la tête du marché antivirus. Je ne serais pas étonné que les Kelly aient quelque chose à voir là-dedans. Mais bientôt, ça ne sera plus que de l'histoire ancienne. Écoutez, je veux y mettre fin autant que vous. Mais rassemblons d'abord toutes les preuves avant de tout faire sauter. C'est notre objectif depuis le début.
Je suggère de pirater le réseau de caméras pour en savoir davantage. Écrasé. J'active mon arc Nova. C'est juste une carcasse vide pour moi. Prépare-toi à te sortir les tripes. Je vais jeter un coup d'œil par là. Possible que ça plante. Oh là 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 là. Il va falloir refaire. Oh non. Appuyez sur touche A.
Allez, on est reparti, on reprend. Sec a besoin de vos services. Non, Bagley, je suis en pleine picole là. Proposition, la prochaine fois c'est la résistance qui régale, enfin si vous survivez. Ça me paraît honnête. Comme ça. Dégage! Je suis en place. NeoGate se fait discret depuis quelques temps, mais ils sont à la tête du marché antivirus. Je ne serais pas étonné que les Kelly aient quelque chose à voir là-dedans. Mais bientôt, ça ne sera plus que de l'histoire ancienne. Écoutez, je veux y mettre fin autant que vous. Mais rassemblons d'abord toutes les preuves avant de tout faire sauter. C'est notre objectif depuis le début. Je suggère de pirater le réseau de caméras pour en savoir davantage. Baissez-vous! J'ai regardé!
Allez. Ces images nous viennent d'un second sous-sol situé sous la salle des serveurs. Quelqu'un veut y jeter un œil ? Alors ça contient un petit cocktail de toxine botulique, conotoxine, succamétonium. Bref, à quoi bon entrer dans les détails puisque tu comprends pas ? Disons juste qu'il fallait pas mal d'essais pour trouver le bon dosage. Faudrait pas que ça tue trop vite, ou que ça contamine les organes. Oh mon Dieu, c'est là qu'ils implantent les micropuces, et qu'ils les testent. Bagley, enregistre bien ces images. Elles seront parfaites pour mon dossier. En voilà davantage. Content de savoir que les normes sanitaires sont respectées. Il ne faudrait pas risquer une infection. On continue. Le problème, c'est vraiment les convulsions intenses déclenchées par les micropuces. Et la possibilité d'endommager gravement la marchandise, disons, précieuse. Les yeux sont les plus vulnérables. Selon les premiers tests, la microcharge est peut-être le problème. Bien que les dommages au tronc cérébral inférieur soient minimes, il suffit à engendrer des convulsions violentes. Ça suffit, Bagley. Je supporterai pas d'en voir plus. Les responsables de cette opération méritent une place spéciale en enfer. Voilà, toutes les données de la poule aux œufs d'or, en plus de ses images et de sa participation aux attentats. Ça devrait suffire à la faire incarcérer. Ouais, j'espère. Je crois qu'il est temps de tout faire péter et de désactiver ces micropuces. Génial. Au sous-sol, il doit y avoir quelque chose. Ok, j'abandonne. Elle est partie. Sous-sol. J'ai rien vu de... à l'intérieur, j'ai pas vu du tout d'accès. Oh, donne-moi tes trucs, toi. C'est du sous-sol. Si je suis déjà venu. Alors j'étais passé par où ? Par où passer, et je m'en souviens plus. Ah, si, ça va être là.
beauté va manquer à son proprio. Ça, je crois que là. C'est ouvert. Oui, oui, bien joué. Il est temps de mettre fin à l'opération de Mary Kelly. Oui, oui. Allez, on fait tout sauter. Pour y rentrer, de toute façon, il n'y avait pas le choix. Y a rien. Bon, on va prendre de toute façon, je vais être coincé, je peux pas, j'ai pas le saut, il faut que je me sauve. Je change de personnage. J'ai pas le choix, je pense. On aurait pu accéder par là. Ça va où ça? Ça va dehors ça? Le choix, faut changer parce que l'autre, celui-ci, il va pas. On n'a pas le choix. Bon, allez, on ressort. Appelons un autre agent. Alors. Vous êtes prête à combattre ? C'est parti.
Oula. Ça devrait le faire. Les micropuces sont hors service. Je crois que la poule aux œufs d'or des Kelly est cuite. T'es sérieux, Bagley? Tu m'épuises avec tes blagues bizarres. Quittez la zone avant qu'il ne vous arrive la même chose, d'accord? Ah oui, mais je suis attaqué par les drones. Mais c'était chaud. Brokatek a annoncé plus tôt dans la journée le lancement officiel de Daybreak, la technologie de cartographie neuronale permettant à tous de devenir immortels. Les clients, qui sont inscrits sur liste d'attente, ont déjà commencé la procédure à huis clos. Selon une source de Brokatek, l'entreprise a tenu à lancer le programme en hommage à la fondatrice de la société, la regrettée Sky Larsen. Ça devrait suffire d'être sec. Je vais contacter le bureau du procureur général au plus vite. Pas de temps à perdre. On va enfin faire tomber Mary Kelly. Merci. Ne nous décevez pas, Kathleen. Attends un peu. Qu'est-ce qu'on fait pour tous ceux qui sont encore avec les Kelly? On va pas les lâcher? Dans quelques instants, Mary Kelly s'apercevra que ses esclaves personnels ne le sont plus et qu'ils vont devenir des témoins gênants. Nous devons l'appréhender avant qu'elle ne se débarrasse d'eux. On peut pas prendre ce risque. Les plans de Kathleen peuvent en souffrir, mais on doit aider les dernières personnes menacées. Le bastion des Kelly se trouve à la résidence Sandstone. Je l'ai indiqué sur votre carte. Oh, pardon. Bien, mission prochaine, disgrâce. Ça va aller. Allez, c'est où? Oh, c'est juste à côté. C'est ma faute. Veuillez m'excuser. Vous avez ma parole. On va ouvrir une enquête. Si on trouve quelque chose, c'est une entrée là. Croyez-moi. Marie va sûrement vouloir faire le ménage, si j'ose dire. Et elle contrôle encore toutes les micropuces à proximité. Nous devons accéder au système de sécurité pour les désactiver, sinon ces esclaves risquent d'y passer. N'en dis pas plus. Traqué à ce point-là.
putain. Avant, t'avais pas du jeu. Oh. Pour tout. Un peu plus loin. Allez. Ah oh. Mais non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais qu'il ouvre la porte. Bon, bah du coup, je suis coincé. J'avais pas vu qu'il y avait tout le monde. J'ai été bête. À vous de prendre la suite. Votre camarade vous remerciera sûrement quand ses repas ne seront plus administrés par tube. Je devrais rappeler à ces salauds que s'en prendre à dette sec, c'est une très mauvaise idée.
ça aurait pu être pire pour toi. Que la statue c'était oh là là génial. C'est fait. Regarde un peu ça. Ah yes. Venez donc, vermine. Tu vas marcher, saloperie. Ah, vous vous croyez malin, hein? Mais... Oh putain. Bon, au moins les puces sont désactivées. Marie s'est enfermée dans son bureau en bas, mais la console devrait remettre l'ascenseur sous tension. Oh, et les gardes sont en alerte, alors essayez de ne pas vous faire tuer, entendu? Génial. Vous devez rester suffisamment longtemps près de la console pour que je réactive l'ascenseur conduisant au bureau de Marie. Ces foutues puces ne marchent pas. Je suis dans mon bureau. Venez exterminer la vermine. Peter est mort. Ramenez vos fesses par ici et écrasez-moi ces saletés de cafards. Bouge. Rien. L'ascenseur fonctionne et vous pouvez accéder au bureau de Marie. Ah, et l'inspecteur Lowe est en ligne. J'ai peur qu'elle ne soit pas de très bonne humeur. Detsec, qu'est-ce que vous foutez là? On avait un accord. Les choses sont faites à ma façon. C'est pour ça qu'on a rassemblé ces preuves. J'ai tous les éléments nécessaires. Est-ce que votre paperasse l'empêchera de tuer ses esclaves? Cette femme est un chien enragé, Lowe. C'est pas la peine de relancer le débat, on n'a pas le temps. Allez-y et empêchez-la de commettre l'irréparable. J'arrive. Thank you.
Allez, go. Go, 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 go. Allez, 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 allez. Trouver cet ascenseur. Hop. Allez, allez, allez. Tac. Ramenez-vous! J'ai pas besoin de micro-puce pour vous saigner, bande de sales rats! Voilà d'être sec! Au moins vous tombez à pic! La police va venir vous arrêter! Oh, mais je compte bien là-dessus, mon chou! Plus personne ne bouge! Éloignez-vous d'elle! Mary Kelly, vous êtes en état d'arrestation. Coffrez-moi, inspecteur. Je suis disposé à me présenter devant votre fichu tribunal. Mais ne comptez pas sur moi pour m'éterniser inutilement. Hé, hey, les nazes! Je vous ai donné un but dans la vie, alors que cette ville vous vomissait! On se retrouvera très vite, croyez-moi. Stop! Vous ne pensez pas qu'elle va vous laisser lui rafler sa prise du siècle? Qui est-ce que vous protégez? Le peuple ou le système? Promettez-nous... Promettez-nous qu'elle ne s'en tirera pas. Putain de flic! Allez-y, je prendrai le relais. Eh bien, d'être sec, vous avez eu ce que vous vouliez. Marie est neutralisée, de façon permanente. Je voulais faire les choses correctement, mais après tout ce que j'ai vu, je ne pouvais plus la laisser vivre. Ça devait arriver, Lo. Elle a eu ce qu'elle méritait. Pour tous ceux qu'elle a fait souffrir. Pour Angel. Vous avez fait ce qu'il fallait. C'est la seule justice qu'elle méritait. Je vais pas la plaindre. Le règne de terreur de Mary Kelly est terminé, c'est tout ce qui compte. Je ne sais pas. C'est une idée de la justice qui n'est pas la mienne. En tout cas, ce n'était pas la mienne au début de tout ça. La reine est peut-être tombée, mais il reste de nombreux pions du clan Kelly, prêts à en prendre la tête. Tu as raison, Bagley. Je vais garder l'œil ouvert. Si j'entends quoi que ce soit au sujet du clan Kelly, vous serez les premiers informés. Vous êtes de bons partenaires, DedSec. Continuons cette collaboration. Bon ben on verra. Je vous dis donc à plus. Si ça vous a plu, likez, commentez, n'hésitez pas. Et puis je vous dis sur la prochaine vidéo, on fait la suite de ça. Allez, je vous dis à plus, merci, ciao.